remerciements à Jérôme et à Lionel pour leur invitation, leur gentillesse et leur disponibilité. Jérôme et Lionel m'ont demandé de vous proposer donc une réflexion sur la politique, la démocratie et le conflit, en m'attribuant d'emblée un peu le mauvais rôle, hein, puisqu'en quelque sorte je vais devoir jouer un peu à l'avocat du diable, parce que je vais être chargée de vous parler du conflit dans une assemblée réunie pour la paix. Alors je vais m'appliquer à vous présenter un certain nombre de réflexions issues de la science politique, de la sociologie politique, pour lancer en fait, j'espère en tout cas, un certain nombre de questions dans le débat qui suivra. Donc, premier temps de ma réflexion, le politique, et donc dans le politique on peut inclure la démocratie évidemment, c'est pas la seule forme politique qui existe, mais la démocratie en fait partie, le politique c'est le conflit. Alors la démocratie c'est évidemment un horizon désirable hein, à l'échelle planétaire, c'est devenu un credo universel du bon système politique aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas, mais la démocratie posée comme telle c'est aussi un mot valise, un mot fourre-tout, un mot écran qui invisibilise en fait les situations qui se cachent derrière le terme de démocratie et qui questionne le sens de ce mot qui étymologiquement veut dire le pouvoir du peuple. D'ailleurs, de ce point de vue-là, la démocratie a souvent besoin d'adjectifs pour la qualifier un peu plus précisément. Démocratie représentative, démocratie participative, démocratie directe. On y reviendra. Alors, la démocratie hein, est donc perçue depuis la fin du deuxième conflit mondial hein, comme un moyen, comme une fin, qui permettrait au plus grand nombre de participer à l'exercice du gouvernement, à la prise de décision. Mais la démocratie, de ce point de vue-là, n'est en rien un gage de consensus, d'accord ou d'absence de conflit. En réalité, en pratique, les affrontements, les dissensus, les désaccords, les disputes font partie du quotidien, de l'ordinaire des démocraties. En effet, il y a bien des clivages structurels en démocratie entre les opinions, pour le dire vite, entre la gauche et la droite, par exemple, entre les conservateurs et les libéraux. Il peut y avoir des clivages plus conjoncturels. On est pour ou contre tel projet de loi, telle politique publique, tel projet. Mais les disputes, les conflits, sont aussi souvent au fondement même de l'organisation des pouvoirs. Et les conflits portent sur des projets, sur des politiques, sur des lois, mais portent aussi sur, parfois, la légitimité de celles et de ceux qui exercent le pouvoir au nom du peuple, donc en démocratie. En effet, la légitimité, c'est une question importante en démocratie, car c'est elle qui fonde, normalement, le pouvoir de certains qui peuvent prendre des décisions au nom d'autrui. Dans les démocraties dites représentatives, celles qui sont les plus nombreuses, celles que l'on connaît aujourd'hui, dans les démocraties représentatives, la légitimité procède normalement de l'élection. L'élection de représentants étant conçue comme un mode de désignation acquis à travers lequel l'électeur, ou qu'on appelle parfois le citoyen, cède en conscience, par consentement, sa part de souveraineté, y compris lorsque celui ou celle pour qui il a voté n'a pas remporté les élections. Donc la légitimité est une ressource fondamentale que les politiques cherchent évidemment à acquérir pour prendre les décisions. Et pourtant, la question de la légitimité soulève de nombreux conflits, comme j'ai dit précédemment, parce qu'elle est difficile à situer de manière explicite. En effet, en démocratie, la légitimité se situe-t-elle du côté des habitants de la Loire-Atlantique, qui ont majoritairement voté oui lors d'un référendum sur un projet d'aéroport, lui-même décidé par des représentants librement élus, où la légitimité se situe-t-elle du côté de ceux qui résistent par l'occupation à Notre-Dame-des-Landes à cette décision? La légitimité se situe-t-elle du côté de ceux qui dénoncent les effets néfastes sur la santé et l'environnement du glyphosate? Ou bien du côté des eurodéputés, librement élus, qui prolongent la durée d'utilisation de l'agriculture?
La légitimité se situe-t-elle du côté des forces douanières qui tirent leur autorité de l'État et qui sont chargées au nom de l'État de faire respecter la légalité? Ou bien la légitimité se situe-t-elle du côté des habitants, par exemple des Alpes-Maritimes ou du Pas-de-Calais, qui aident au nom des droits humains des migrants à survivre, transiter, obtenir des papiers en bonne et due forme? La légitimité se situe-t-elle du côté de ceux qui souhaitent le rétablissement de la peine de mort ou du côté des élus qui y mettent fin? La légitimité se situe-t-elle du côté de la manif pour tous ou du côté des parlementaires qui instaurent le mariage pour les couples de même sexe? Je pourrais prolonger comme ça à l'infini les exemples et je pense que vous en avez vous-même toute une palette que vous pouvez mobiliser. Donc il n'est finalement pas si facile de trancher sur où se situe la légitimité. Et c'est bien plus compliqué à trancher que les solutions toutes faites que nous proposent un certain nombre de politiques, pour eux aussi élus, hein, des solutions toutes faites, sur le mode, je cite, « le Parlement doit décider, la rue doit défiler, mais ce n'est pas la rue qui gouverne », époque Jean-Pierre Raffarin, en 2003, au moment de la réforme du régime de retraite, ou plus récemment, je cite, « la démocratie, ce n'est pas la rue », époque Emmanuel Macron, au moment de la réforme du Code du travail en septembre 2017. La politique, surtout, je dirais, en régime démocratique, est un champ de force contradictoire, enchevêtré, où s'opposent des positions, des intérêts différents, divergents, concurrents pour la conquête de la légitimité. Donc la démocratie, c'est le conflit. La terminologie même de la politique en démocratie renvoie au conflit, à la guerre, sous forme métaphorique, mais c'est quand même une part importante du lexique utilisé pour décrire les activités politiques. On parle en effet de campagnes électorales, avec leur QG, on parle de plans d'attaque au moment des campagnes électorales. Les militants, étymologiquement, le militant c'est celui qui combat, qui lutte, c'est la même origine que militaire, milice. Ne parle-t-on pas d'ailleurs d'armée de militants pour un certain nombre d'organisations? On parle de front républicain, dans une autre version idéologique, front national, guerre de civilisation, lutte des classes, ainsi que tout un ensemble de métaphores qui sont devenues habituelles du commentaire politique. On parle d'écurie, de poulain politique, de parachutage, de franc-tireur, tout un lexique qui est issu de la pratique guerrière. Pour aller sans doute dans le sens de ce que disait Clausewitz, hein, la guerre n'est que la continuation de la politique par d'autres moyens. Alors, l'hétérogénéité des opinions, l'hétérogénéité des valeurs et les conflits qui peuvent les entourer sont donc indéniables, y compris en démocratie. Alors, sur ce fondement, et au nom du respect de la liberté individuelle, le libéralisme politique, qu'on retrouve souvent dans les démocraties, ce libéralisme politique s'est donné pour ambition de permettre l'expression de toutes les voix discordantes. Et, à ce titre-là, inscrit une certaine conflictualité au cœur des sociétés démocratiques et des procédures visant à désigner des représentants. Selon une chercheuse américaine qui a beaucoup réfléchi sur les questions de démocratie et de perfectionnement des dysfonctionnements des démocraties, Jane Lansbridge, qui est professeure de théorie politique à Harvard, il existe deux visages dans la démocratie. D'un côté, nous dit-elle, il y a la démocratie adversariale, c'est-à-dire une démocratie fondée sur la diversité et la conflictualité des intérêts individuels. Il existerait sur un autre versant la démocratie unitaire, qui elle serait plutôt inspirée de Rousseau, qui est plus marquée par la croyance dans l'intérêt commun des citoyens. Dans un cas, la diversité des intérêts individuels et dans l'autre, la croyance dans l'intérêt commun des citoyens. Pour Mansbridge, la démocratie oscillerait entre ces deux modèles. Certains modèles tendent plutôt vers les démocraties adversariales, d'autres plutôt vers la démocratie unitaire. Mansbridge défend l'idée que lorsque de nombreux intérêts communs sont en présence,
il est plus facile de déboucher sur le consensus. Il est plus facile d'aboutir à une vision commune du politique. Mais pour cela, nous dit-elle, il y a une condition. Il faut qu'il y ait une confiance réciproque entre les individus. Et Mansbridge nous dit également que dans ce cas de figure, lorsqu'il y a confiance et partage d'un certain nombre d'intérêts communs, à la limite, ça peut paraître paradoxal, même à la limite, il n'y a même pas besoin d'une égalité de droit entre les citoyens. Car grâce à la confiance, on peut déléguer, sous forme un peu d'abandon de soi, on abandonne sa part de souveraineté, sa part de pouvoir à d'autres, parce que l'on sait qu'au final, c'est le bien commun qui sera réalisé. A l'inverse, nous dit-elle, dans les moments, dans les situations où les intérêts individuels entrent en conflit, alors là, le groupe gouverné, la collectivité, doit s'efforcer au maximum d'instaurer l'égalité de pouvoir. Donc, selon Mansbridge, le cas le plus fréquent aujourd'hui, c'est plutôt la démocratie adversariale. La démocratie unitaire est une forme d'idéal auquel il faudrait aboutir. Alors si on remonte un peu dans l'histoire et qu'on regarde comment se sont mises en place les démocraties, notamment les démocraties représentatives, celles qui sont les plus nombreuses, à partir, grosso modo, du 19e siècle, en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord d'abord, puis ça s'est étendu à d'autres parties, des parties du monde, qu'est-ce qu'on peut constater en termes de conflits, de résolution des conflits? Alors, l'avènement du droit de suffrage, dit universel, alors d'abord universel masculin, puis plusieurs décennies plus tard en général dans les différents pays d'Europe de l'Ouest, le suffrage véritablement universel, où les femmes aussi peuvent jouir des droits civiques. Qu'est-ce qu'on observe? On observe un accroissement indéniable des droits politiques par le système de l'élection pour désigner des gouvernants qui prennent des décisions au nom des autres, au nom d'autrui. On a pu observer également, par ce système de l'élection, par ce système de la représentation, où je délègue ma part de souveraineté à quelqu'un d'autre, un renouvellement du personnel politique. Par le suffrage universel, on est progressivement passé d'un système qui ne voyait que les représentants de l'aristocratie ou de la très grande bourgeoisie gouvernée, à progressivement d'autres classes sociales qui ont pu, elles aussi, entrer dans les parlements, en particulier les professions libérales, les professions intellectuelles. L'avènement du suffrage universel, avec la mise en place, encore une fois, du système représentatif, a permis des débats idéologiques, un pluralisme des opinions, de se manifester dans l'espace public. Donc on peut, pour le dire, de manière plus synthétique, on peut observer depuis le 19e siècle, depuis la mise en place des démocraties représentatives et l'avènement du suffrage universel, une pacification du politique. Cette pacification du politique, elle a démarré dans les bureaux de vote. Très tôt, dans les différents pays d'Europe de l'Ouest, donc et en Amérique du Nord, des articles, des lois, du code électoral ont prévu des sanctions lourdes contre toute menace qui s'exercerait au sein des bureaux de vote. On interdit le port d'armes dans les bureaux de vote. Des sanctions lourdes sont prévues dans les cas où l'urne électorale, qui est un peu un objet symbole, un objet emblème du système démocratique représentatif, serait cassée. Donc on a pu observer, les travaux des historiens le montrent très clairement, un rejet progressif de la violence autour du déroulement des élections, et au contraire, on a eu progressivement la promotion d'un ensemble de croyances, de représentations, célébrant la conscience individuelle, la liberté politique, comme principe légitime de décision politique. Alors une illustration de cette pacification des bureaux de vote, qui va déboucher sur une pacification de la politique plus largement, peut être illustrée par cette lithographie que vous connaissez sans doute, la lithographie célèbre d'Honoré Daumier de 1869, intitulée « V'là ma cartouche », où l'on voit un ouvrier républicain
brandir son bulletin, donc avec comme sous-titre, voilà ma cartouche, sous-entendu, je n'ai plus besoin du fusil et d'une vraie cartouche pour m'exprimer politiquement, je substitue à cette arme l'arme du bulletin. Et effectivement, dans la plupart des démocraties représentatives, hein, on a un ensemble de règles, de normes qui visent à protéger le vote, les élections de toute violence. Et vous avez sans doute, comme moi, été socialisé à ce respect de la paix autour du bureau de vote, et vous adoptez certainement une certaine attitude quand vous pénétrez dans un bureau de vote. En général, on parle plus bas, on ne s'agit pas dans un bureau de vote. Il y a une sorte de solennité à exercer le droit de vote qui provient de cette habitude liée à la pacification. Donc on a eu progressivement, pour le dire en termes savants, une forclusion de la violence. Une forclusion de la violence, c'est-à-dire un rejet progressif, un éloignement progressif de la violence, notamment de la violence populaire, au sein des bureaux de vote. Au détriment d'autres formes d'expression populaire, au détriment d'autres formes d'expression politique populaire, les émeutes, notamment les émeutes autour du Pont du Grain, les jacqueries, les charivaris, un ensemble de techniques populaire, souvent rurale, qui permettait d'exprimer un certain nombre d'opinions politiques. Alors dans ce cadre-là, les partis politiques jouent un rôle important dans cette pacification politique, mais aussi dans la régulation du conflit. Les partis politiques, dès le XIXe siècle, ont été des institutions, des instances permettant de recueillir les opinions divergentes, les intérêts différents, les opinions hétérogènes, pour proposer des programmes qui viennent se concurrencer au moment des élections. Mais en dépit de certains nombres d'aspects positifs, hein, évidemment, dans la mise en place de ces démocraties représentatives, dans la mise en place de l'élection, dans la délégation à d'autres de sa part de souveraineté, il y a aussi un certain nombre de constats qui amènent à nuancer ces constats plutôt positifs. Notamment quand on regarde aujourd'hui la manière dont se déroulent les élections, les jugements, les représentations associées aux démocraties, on voit un ensemble de phénomènes se manifester, des phénomènes de rejet, des phénomènes de discrédit, de délégitimation qui touchent la classe politique, qui touchent les partis politiques, les syndicats également, ou qui vont produire des phénomènes tels que l'abstention ou le vote pour des partis politiques situés aux extrêmes qui ont dans leur projet politique de mettre en question la démocratie représentative. Donc face à cet ensemble un peu hétéroclite de phénomènes qui traduisent un certain discrédit à l'égard des démocraties représentatives, à partir de la fin du XXe siècle, un certain nombre de théoriciens, puis de gouvernants, ont essayé de mettre en place d'autres formes de démocratie, ont essayé de promouvoir des expériences plus inclusives de démocratie, pour essayer de limiter justement cette dimension conflictuelle que l'on peut associer désormais aux démocraties représentatives. C'est dans ce cadre-là qu'on a vu le développement des dispositifs de démocratie participative ou des dispositifs de démocratie délibérative. Alors, ces expériences partent de l'idée que la démocratie, c'est la chance égale pour tout citoyen d'influencer le gouvernement et d'influencer la décision. Donc l'idéal participatif ou l'idéal délibératif reviendrait à permettre à cette hypothèse d'une chance égale pour tout citoyen d'influencer le gouvernement, permettre à cette hypothèse de se réaliser. Donc les premières réflexions sur la démocratie participative ou la démocratie délibérative nous viennent plutôt des États-Unis. Du côté de la démocratie participative, alors il y en a plein, je vous
n'en ai sélectionné qu'une seule. C'est souvent du côté américain, des théoriciennes féministes qui ont eu un engagement dans les mouvements féministes dans les années 70, que nous provient une grande partie de ces réflexions sur la démocratie participative. Donc l'une d'entre elles est Carol Patman, qui en 1970 a fait paraître un ouvrage important dans la réflexion sur la démocratie participative, Participation and Democratic Theory. Pour Carol Patman, la démocratie participative, c'est un moyen, nous dit-elle, d'empowerment des individus. C'est-à-dire un ensemble de méthodes permettant aux individus de s'émanciper d'un certain nombre de dominations, d'un certain nombre de tutelles. C'est une forme de démocratie qui va permettre une citoyenneté critique, active, éclairée. Selon Carol Patman, la démocratie participative doit d'abord commencer au niveau professionnel. Elle conseille notamment l'autogestion dans les usines, dans lesquelles les ouvriers, les salariés prendraient des décisions collectivement. Du secteur professionnel, ensuite, nous dit Patman, ce type de dispositif devrait s'élargir pour concerner tout type de décisions affectant les individus dans leur quotidien. Autre théoricien cherchant à améliorer le fonctionnement de la démocratie représentative, tout en régulant le conflit qui peut marquer cette même démocratie, c'est Jürgen Habermas. Donc lui, il se situe moins du côté de la démocratie participative que de la démocratie délibérative. Et souvent, on a tendance à confondre les deux, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Du côté de la démocratie délibérative, donc Jürgen Habermas, dans Droit et démocratie, qui paraît en France, en français, en 1992, l'objectif n'est pas l'émancipation des individus en tant que tel, n'est pas l'empowerment, comme chez Carol Patman, des citoyens. Ce qui intéresse Jürgen Habermas, ce sont les conditions de légitimité des décisions dans une démocratie. À quelles conditions les décisions qui sont prises sont-elles légitimes? Donc pour Habermas, il faut repenser les conditions de légitimité des décisions. Et ce qui importe pour Habermas, ce n'est pas que les décisions qui sont prises soient approuvées par tous les citoyens, mais qu'elles soient délibérées par tous les citoyens. Donc la délibération, chez Habermas, c'est une procédure de discussion de l'ensemble des citoyens dans laquelle tous les points de vue doivent pouvoir s'exprimer. Toutes les informations à propos de tel ou tel projet doivent circuler. Et c'est, selon Habermas, par l'échange des arguments, par les débats, que les positions des uns et des autres peuvent se modifier pour aboutir, nous dit Habermas, au final, à produire l'intérêt général. Donc, au lieu de déléguer la définition de l'intérêt général à des élus, tous les citoyens devraient pouvoir en discuter au préalable. Alors, sur ces deux fronts, démocratie participative, démocratie délibérative, différentes expériences ont été menées. Elles sont, entre autres, répertoriées dans l'ouvrage de Louis Blondiot, Le nouvel esprit de la démocratie. Alors, parmi les expériences qui ont pu être tirées de ces réflexions, qui datent des années 1970, donc d'abord aux États-Unis, vous avez, je pense que vous le connaissez tous, l'expérience du budget participatif. L'exemple, l'emblème un peu des budgets participatifs, c'est Porto Alegre, au Brésil, projet porté par le Parti des travailleurs, qui remporte les élections municipales à Porto Alegre en 1989, et qui va décider que 20% du budget d'investissement de la ville, 20% de ce budget, vont être discutés par les citoyens. Les citoyens vont hiérarchiser les projets et vont choisir les projets qui, selon eux, sont les plus importants à réaliser. Donc, dans ce cadre-là, la mairie va organiser des réunions où, sur la base du volontariat, les citoyens vont pouvoir discuter, selon des comités de quartier, l'attribution de ces ressources municipales.
Alors on y reviendra, hein, mais cette expérience qui est souvent citée en exemple, pour l'instant, n'a finalement pas forcément rencontré son public, puisque seulement 1,5% des habitants de la ville de Porto Alegre participent régulièrement à ce type de dispositif. Et parmi ce 1,5%, les habitants des quartiers les plus pauvres ne participent quasiment jamais. Autre expérience de démocratie participative ou délibérative, qui ont entraîné un certain nombre de mises en application, c'est le débat public, hein, les procédures ou les dispositifs de débat public. Alors, les débats publics, en général, ce sont des assemblées où les citoyens se concertent sur un projet en particulier. Il se trouve que la plupart du temps, ce sont des projets liés à l'aménagement du territoire. Donc, par exemple, en France, hein, il existe la Commission nationale du débat public depuis 2002, et à chaque fois qu'un projet d'aménagement du territoire dépasse un certain montant, comme les lignes ferroviaires à grande vitesse, les sites d'enfouissement des déchets nucléaires, les projets autoroutiers, etc., etc., un débat public est rendu obligatoire. Dans le cadre de ces débats publics, normalement, on doit laisser tous les citoyens libres de s'exprimer individuellement ou collectivement. Le critère qui prime dans ce type de débat public, c'est la qualité de l'argumentation. C'est sur la base de la qualité de l'argumentation que l'on va évaluer la discussion entre les citoyens. Alors, depuis 2002, par exemple, en France, depuis que la Commission nationale sur les débats publics a été fondée, on a organisé environ 150 débats dans ce cadre-là. Parfois, les projets sont modifiés suite à la discussion, à l'argumentation d'un certain nombre de citoyens ou de collectifs, d'associations qui participent à ces débats publics. Parfois même, les projets sont abandonnés parce que l'argumentaire des opposants, en particulier, a été perçu comme suffisamment convaincant pour que le projet soit abandonné. Ça, par exemple, était le cas du projet de contournement autoroutier de Toulouse qui a été abandonné suite à un débat public. Parfois, ça échoue. C'est notamment le cas des débats publics organisés à Notre-Dame-des-Landes en 2002 et 2003, dont nous ne savons encore pas quelle suite sera donnée à ce projet. Troisième type de dispositif qui a pu être lancé, ce sont les jurys citoyens. Donc, après les débats publics, après les budgets participatifs, les jurys de citoyens. On appelle aussi conférences de consensus. Alors là, dans ces jurys de citoyens, dans ces conférences de consensus, contrairement aux deux autres expériences dont je vous ai parlé, on ne s'appuie pas uniquement sur le volontariat. On n'attend pas seulement que des citoyens se déplacent sur la base du volontariat pour participer au débat. Là, les citoyens sont tirés au sort. Un petit peu comme les jurés aux assises lors des procès. Donc l'idée dans ces jurys de citoyens, c'est que le hasard, le tirage au sort, permet vraiment à tout un chacun d'être désigné à un moment donné co-décisionnaire. Donc on ne s'en remet pas à des gouvernants élus, on ne s'en remet pas à la base du volontariat, mais à un moment donné, on est susceptible d'être co-décisionnaire parce que le tirage au sort nous a désignés comme devant participer à ce type de dispositif. Alors, ces jurys de citoyens sont régulièrement utilisés, notamment pour des sujets socio-techniques. Donc, on a eu un certain nombre de jurys de citoyens en France sur les OGM, par exemple, sur les nanotechnologies, sur l'enfouissement des déchets, etc. Donc, l'idée de ces jurys de citoyens, c'est de parvenir à un avis unanime. C'est l'idéal d'une opinion publique éclairée grâce à la pleine information, au débat et à ce tirage au sort. Alors, face à ces différents dispositifs qui, en apparence, semblent finalement résoudre un certain nombre de problématiques liées à la démocratie représentative, on pourrait considérer que finalement la chose est entendue et qu'il suffirait de développer la démocratie participative ou la démocratie délibérative pour corriger
le conflit qui peut naître de la démocratie représentative. Or, je voudrais apporter, c'est là où je me fais un peu l'avocat du diable, apporter un certain nombre de critiques ou de nuances à l'égard aussi bien de la démocratie représentative qu'à l'égard de ces dispositifs de démocratie participative ou délibérative. Alors si on commence par regarder un petit peu du côté des critiques que l'on peut apporter aux démocraties représentatives, celles qui s'appuient sur l'élection, que peut-on dire ? Alors depuis la Révolution française, nous avons en France adopté le principe d'une désignation à intervalles réguliers des gouvernants. Ces gouvernants étant chargés de définir l'intérêt de la nation. Selon l'idée notamment défendue par Emmanuel Joseph Sieyès, selon l'idée que les individus, même si on les appelle les citoyens, les individus ne sont censés exprimer que leur intérêt particulier. Ils ne peuvent pas par eux-mêmes aboutir à l'intérêt général. Ce seraient donc les représentants élus qui seraient eux à même de définir ce qu'est l'intérêt général. Selon cette conception qui a gagné à la Révolution française, il y avait d'autres conceptions qui s'opposaient à celle de Sieyès, mais c'est celle de Sieyès qui l'a emportée, qui l'emporte toujours jusqu'à aujourd'hui. On est finalement dans une démocratie où les citoyens n'ont d'utilité, d'une certaine façon, que pour désigner les mandataires qui seront eux chargés de légiférer, qui seront eux chargés de gouverner. D'une certaine façon, la démocratie représentative, selon ce principe, s'est construite contre le peuple, en défiance à l'égard du peuple. On se prévaut d'avoir ce pouvoir du peuple, mais l'on s'en méfie, on le tient à distance. Pour reprendre une idée développée par Bernard Manin dans son ouvrage « Principes du gouvernement représentatif », dont je vous recommande, si ce n'est pas déjà fait, vivement la lecture, un ouvrage qui se lit d'abord aisément, c'est un ouvrage d'universitaire, mais qui est tout à fait didactique. Bernard Manin nous explique comment, finalement, ce système de l'élection en démocratie a produit ce qu'il appelle une aristocratie élective. Une aristocratie élective. C'est-à-dire, comment on est passé d'une société d'ancien régime où il y avait les trois États, un clergé, noblesse et tiers États, à un nouveau type de régime où on recrée les conditions d'une séparation entre le peuple, le tiers-État, et cette aristocratie qui gouverne au nom de tous. C'est donc au moment de la Révolution française, je voulais dire en parlant de Sieyès, que ce principe de la distinction entre les élus et les électeurs se met en place contre d'autres visions qui avaient été défendues à l'époque, notamment des visions plus inspirées de Rousseau, qui promouvait, quant à lui, des assemblées, comme il avait pu en connaître notamment à Genève, des assemblées dans lesquelles tous les citoyens sont réunis et décident ensemble de leur avenir commun. Les arguments qui ont été mobilisés au moment de la Révolution française sont d'ailleurs toujours repris aujourd'hui pour contester cette vision rousseauiste, inclusive de la démocratie. Souvent, on entend dire que la démocratie directe n'est pas possible à mettre en place aujourd'hui parce que les nations modernes sont trop vastes. Elles comptent trop d'individus pour que la démocratie directe soit praticable. On le disait à la fin du XVIIIe siècle, on continue à le dire. Autre argument que l'on entendait à l'époque et que l'on entend toujours aujourd'hui, c'est l'idée selon laquelle les sociétés se sont transformées, les individus sont rentrés dans le salariat, avec donc une activité professionnelle qui les occupe beaucoup durant la semaine, donc finalement il serait impossible que toutes les personnes se consacrent à la chose politique. Il serait donc nécessaire qu'une fraction seulement des individus se consacre à plein temps à la chose politique. Autre type d'argument que l'on a entendu
à la fin du XVIIIe et que l'on entend souvent encore aujourd'hui, le peuple n'a pas suffisamment de lumière pour se gouverner lui-même. Il lui faut donc désigner des représentants plus compétents, plus experts que lui pour prendre les bonnes décisions au nom de l'intérêt général. Alors, si l'on en vient maintenant aux critiques que l'on peut apporter au dispositif de démocratie participative et démocratie délibérative, que peut-on dire ? Alors, qu'est-ce qu'on peut émettre comme critique à l'égard de ces nouveaux dispositifs mis en place, donc pensés à partir des années 1970, mais souvent mis en place à partir des années 1980, 90 et 2000, dans un certain nombre de pays, qui semblent pouvoir améliorer un petit peu les défauts que je viens de pointer de la démocratie représentative, c'est que, bien souvent, ces dispositifs, qui sont souvent présentés par les collectivités locales, comme la panacée, pour inclure la vie des citoyens dans la prise de décision, finalement, ces dispositifs n'ont souvent qu'un avis consultatif, sont rarement décisionnaires. Les élus, finalement, en font un petit peu ce qu'ils veulent après. Autre problème, les dispositifs de démocratie participative concernent la plupart du temps des petites questions, qui ne sont pas forcément petites pour les citoyens qui y participent, mais qui, par rapport à l'ensemble des décisions prises par les élus, concernent en général des projets de taille réduite. Les circonscriptions, les territoires sur lesquels ces décisions seront appliquées sont en général des circonscriptions, des territoires réduits, locaux, relatives à un territoire restreint. Les questions de politique plus générale sont en général écartées de ce type de dispositif. Autre critique que l'on peut apporter à ce type de dispositif, notamment les dispositifs délibératifs. Dans ces dispositifs, c'est le primat de l'argument qui compte. On a dit, c'est la qualité de l'argumentation qui va peser dans la production d'un avis commun, d'un relatif consensus. Bien évidemment, la qualité de l'argumentation, qui peut paraître à première vue un élément plutôt positif, on ne va pas s'intéresser à l'étiquette politique, par exemple, des individus, mais vraiment à la qualité de l'argumentation, ce type de contrainte écarte de facto les groupes sociaux qui n'ont pas forcément accès aux normes légitimes de l'argumentation, qui n'ont pas accès au vocabulaire, à la grammaire, exigée par les débats les dispositifs de démocratie délibérative. Pour le dire autrement, ce type de dispositif favorise des individus qui, en général, ont un certain niveau d'études, un certain niveau d'engagement préalable, une certaine expérience la délibération, du débat, de l'argumentation. Et cette discrimination, d'une certaine façon, entre les citoyens est redoublée par le fait que, bien souvent, les gouvernants qui organisent ce type de dispositif présélectionnent les bons citoyens, ceux qui ont le droit de participer, qui présélectionnent des sortes de super habitants, super citoyens, à qui on accorde le droit de participer à ce type de dispositif. Enfin, dans les deux cas, aussi bien dans la démocratie représentative que dans la démocratie participative ou délibérative, on observe un phénomène pointé notamment par Daniel Gaxi dans un ouvrage intitulé « Le sens caché, inégalité culturelle et ségrégation politique » qui va dans le sens de ce que je viens de vous dire à l'instant à propos de l'argumentation, que ce soit l'élection, la participation ou la délibération, on a systématiquement une exclusion de certaines catégories sociales de ce type de dispositif. Évidemment, vous l'aurez compris, ce sont les catégories sociales les plus populaires qui se trouvent écartées de ce type de dispositif. On l'a vu dans le cadre de la délibération, de la participation, parce que c'est les membres des catégories populaires qui n'ont pas forcément eu accès à une scolarisation élevés, n'ont pas été socialisés au débat, ce qui les empêche
de pouvoir participer, selon les normes établies par ceux qui organisent ce type de dispositif, de participer pleinement. Mais dans le cas de l'élection aussi, on a des formes d'exclusion du jeu électoral de la part des catégories les plus populaires. Exclusion et même auto-exclusion, puisque, sans doute vous le savez, le premier parti ouvrier de France aujourd'hui, c'est l'abstention. Donc on a bien, par différents mécanismes, une exclusion et même une auto-exclusion des franges les plus nombreuses numériquement des populations. Face à cela, on observe également dans les démocraties la montée en puissance d'acteurs qui ne relèvent pas de l'élection. Donc on a une base électorale qui s'amoindrit, moins de gens votent, et notamment les catégories les plus populaires, mais en parallèle de cela, on a la montée en puissance d'institutions qui ne procèdent pas de l'élection et qui pèsent pourtant politiquement très fort. On a cette forme de dessaisissement des autorités politiques à une échelle notamment supranationale, hein, du fait de l'européanisation pour ce qui concerne notre continent, où les décisions qui impactent la vie quotidienne des individus sont prises à d'autres échelles que le niveau national et par des instances qui ne procèdent pas de l'élection. Bien sûr, il y a le Parlement européen de Strasbourg, mais il y a aussi surtout la Commission européenne de Bruxelles, qui, elle, ne procède pas de l'élection. On a également des pouvoirs de plus en plus étendus, des marchés, des agences de notation, d'un ensemble d'institutions qui ne procèdent pas de l'élection et qui concurrencent le pouvoir politique qui, lui, est élu. Donc certains théoriciens américains, notamment, parlent, pour la période actuelle, parlent même de processus de dé-démocratisation, comme une sorte de retour en arrière, hein, où face aux conquêtes électorales, à la conquête de droits politiques, les mouvements actuels, les transformations actuelles viseraient au contraire à déposséder les citoyens de leur part de souveraineté. Alors, pour essayer de ne pas terminer sur une note complètement pessimiste, hein, quelle voie pourrait-on emprunter pour à la fois penser la régulation des conflits, les intérêts différents, les intérêts divergents, et l'inclusion des citoyens, quel que soit leur statut social, dans cette prise de décision. Alors, deux voies me semblent pouvoir être suivies. Une voie, on va dire, institutionnelle, et une deuxième voie que je qualifierais de protestataire. Alors, selon la voie de la réforme institutionnelle, il serait tout à fait envisageable, pour peu que les citoyens portent ce type de revendication et pour peu que les élus s'en emparent, bien évidemment, il serait tout à fait souhaitable qu'il y ait des limites portées à l'hyper-professionnalisation de la politique. Le fait que la politique soit devenue un métier contribue, à mon sens, à écarter une partie importante des citoyens de la discussion politique et de la pratique électorale. Une des façons, à mon sens, de lutter contre cette hyper-professionnalisation qui fait que les politiques sont de plus en plus une petite élite, hein, un entre-soi, hein, où chacun finalement se reconnaît, et créer des frontières étanches pour que des challengers ne rentrent surtout pas dans ce petit entre-soi, on pourrait commencer par limiter le cumul des mandats. Alors, un certain nombre de dispositifs ont commencé limiter ce cumul des mandats dans l'espace, mais moi, il me semblerait important de limiter le cumul des mandats dans le temps. Quand on voit les carrières politiques de certains, on peut quand même se poser un certain nombre de questions. Or, jusqu'à présent, aucune limite, en France en tout cas, au cumul des mandats dans le temps, n'a été prise. En association à cette limitation du cumul des mandats dans le temps, pourquoi ne pas instaurer une part de tirage au sort dans l'exercice du pouvoir. Là aussi, ça permettrait que la politique ne soit pas un métier,
mais permettrait à une partie des citoyens, souvent appelés les profanes de la politique, mais qui ont leur mot à dire, pour peu qu'ils soient informés des enjeux, de participer à la prise de décision. Un collègue américain, Robert Dahl, dans les années 80, proposait même, ça n'a pas été suivi des faits, mais proposait que, aux États-Unis, une troisième chambre, en plus du Congrès et du Sénat, qu'une troisième chambre soit créée, qui serait intégralement constituée de citoyens américains tirés au sort. Bon, pour l'instant, encore une fois, ça n'a pas été suivi des faits, mais ça pourrait être une proposition à suivre. Autre voie, évidemment, pour inclure les citoyens à la fabrique de la décision et éviter ces dysfonctionnements de la démocratie représentative, ce serait évidemment de favoriser la politisation des individus. Et notamment de favoriser la politisation des personnes les plus éloignées des manières légitimes de faire du politique, en particulier les catégories populaires. C'est par les mouvements sociaux, les mouvements d'éducation populaire, les partis politiques, les syndicats, que cette action pourrait être menée. Ce qu'on constate pour l'instant, du moins du côté des partis politiques et des syndicats, en France, comme dans un certain nombre de démocraties, c'est que ce rôle de socialisation politique a été largement abandonné. Ce qui explique sans doute aussi, en grande partie, pourquoi l'abstention est aussi forte, notamment dans notre pays. Deuxième voie qui pourrait être suivie, donc une voie plus protestataire, par les mouvements sociaux, les élus pourraient être plus régulièrement qu'ils ne le sont actuellement interpellés. Les mouvements sociaux peuvent avoir un rôle dans la mise sur l'agenda d'un certain nombre de problèmes politiques que les élites ne voient pas ou ne veulent pas voir. Et il me semble que de ce point de vue-là, un certain nombre de mouvements sociaux récents autour de projets d'aménagement du territoire, autour de projets d'équipement, proposent des critiques radicales et en même temps très innovantes, avec des propositions d'inclusion des citoyens à la prise de décision relativement inédites. Je pense à tout le mouvement Occupy Wall Street, qui peut être illustré aussi en France à travers l'occupation de Notre-Dame-des-Landes, le mouvement Nuit debout. Il y a eu, ou il y a toujours, notamment à Notre-Dame-des-Landes, une inventivité politique démentielle, que les médias, la plupart du temps, ne nous montrent pas. Et pourtant, il se passe des choses à Notre-Dame-des-Landes au niveau de la créativité politique qui me semble particulièrement intéressant pour l'avenir. De manière générale, les mouvements sociaux devraient pouvoir jouer le rôle de correctif de la démocratie représentative. Et je conclurai là-dessus en vous remerciant pour votre attention.